Excusez-moi les filles de vous déranger, je cherche une rue que je trouve pas du tout. Je sais, c'est une copine qui m'a donné le nom de l'adresse, c'est rue Jacques et Michel. Salut à tous, on espère que tous ceux qui sont en vacances passent de très bonnes vacances. Sur ce, C'est parti pour la petite question. Bientôt obligé de changer de ville pour ne pas se faire reconnaître. Alors, surtout au niveau des jeunes, on commence à se faire reconnaître. Mais au niveau des vieux, pas du tout. Et les jeunes, il y a encore plus de gens à pas nous connaître que nous connaître. Ce qui fait qu'on a le temps. Ça reste encore jouable. On peut encore piéger beaucoup de monde. Et on a même le temps de piéger des gens qui connaissent les inachevés, mais qui ne tiltent pas tout de suite que c'est nous. Pour la question de changer de ville, il est possible que dans les prochaines semaines, on fasse un petit tournage dans une autre ville. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On en dira plus à ce moment-là. Sur ce, kiffez bien la vidéo. Allez, ciao! Salut, ça va? Excuse-moi de te déranger, est-ce que tu vois qui je suis ou quoi? Je suis assez célèbre, j'ai 600 000 abonnés, j'ai une chaîne YouTube sur Rennes, tu vois, je suis une petite célébrité. Et vu que je suis de bonne humeur, je peux te prendre ton numéro si tu veux. T'es sérieuse hein? Là, je te prends ton numéro, tu me dis non? J'hallucine quoi, j'ai jamais vu ça. Excusez-moi mesdames, je cherche la rue Jean-Michel, c'est quoi les bails? Jean-Michel, c'est quoi les bails? C'est juste à côté de la rue Thierry Balek. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Vous avez le plan là, non? Bah non, justement, j'ai juste le nom de la rue. À côté de la rue quoi? Thierry Balek. Des noms là que je connais pas du tout. Bah oui, moi non plus. Quel quartier? Vous savez pas du tout? Le quartier OKLM. OKLM? Ouais. Vous êtes sûr que c'est à Rennes? Parce que je connais assez bien, mais rien ne me dit là. Bah oui. Ou alors c'est vraiment excentré. Mais oui. Il m'a dit qu'ils étaient vraiment tranquilles dans le quartier là. C'est le quartier OKLM. Ils étaient vraiment tranquilles. Excusez-moi les filles. Est-ce que vous me reconnaissez ou pas? Je fais des vidéos sur internet. J'ai 600 000 abonnés. Du coup, c'est quoi vos numéros? J'ai toujours rêvé d'un plan à 3. Ah, il y a une vidéo! Bonsoir. Excusez-moi, j'ai une amie. Parce que bon. Comment on fait les bébés? C'est une vraie question. Ah bon? Oh, ça apportait toutes les bourses, vous savez. Ça apportait toutes les bourses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais t'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? Ah ouais, je t'adore, mec, je t'adore. Salut les filles, ça va? Oui. Vous connaissez sûrement? Non. Je suis le mec des inachevés, j'ai une chaîne YouTube sur Rennes. Plus de 600 000 abonnés. Bon, t'as de la chance déjà, tu vas découvrir ma chaîne. Et en plus, je vais prendre ton numéro.
Non, parce que tu te rends pas compte de la chance que t'as là, que, bah non, que je viens de te parler, tu vois. Parce que je vois pas du tout de quoi je vais te montrer, je vais te montrer. Je comprends pas. Tu vois là, j'ai quasiment 600 000 abonnés quand même. Ouais, on fait des c'est pas de la merde. On fait des vidéos avec mon frère et on va faire une soirée bientôt et du coup on cherche des meufs pour venir, tu vois. Mais c'est quoi comme vidéo en fait? C'est plutôt de type caméra cachée. Ah ouais, donc là c'est une caméra cachée. Là non, là, sinon je viendrais pas te voir directement en disant que je suis youtubeur. Je te dirais, voilà, j'essaierai de te piéger si tu veux. Mmh, stylé. Bah attends, vas-y, je peux prendre une photo. Bah bien sûr, bien sûr. On me le demande souvent, tu vois. Mais attends, genre t'es une star, tu sais. Bah oui, mais après j'aime pas... Bah oui. Sur Rennes, sur Rennes, dis-moi, voilà. Les vraies stars, ça dit pas... Faut que tu montres la petite... Je suis pas une vraie star, mais sur Rennes, c'est vrai que j'ai ma petite notoriété, si tu veux, quoi. Bon, par contre, je suis pressé, les filles, je vais prendre votre numéro, du coup. Bah, vas-y, viens. Bah, allez, vas-y. Après, au pire, si tu fais chier, tu bloques. Bah oui, je suis pas non plus... t'inquiète pas, ça va pas... Non, mais meuf, bah, donne-le, tiens. Mais meuf, t'es sérieux, faut aller en soirée, donne-le. Bon, les filles. Non, mais les inachevés, ils ont que 9000 abonnés sur Insta, c'est normal. Sur Insta, c'est pas un réseau qu'on a beaucoup développé, si tu veux. On est vraiment okay, sur YouTube. C'est pourquoi que tu veux notre numéro? Une soirée, on va faire une soirée, on ramènera pas mal de monde et. Genre, y a des gens connus? Bah, y aura peut-être Lorenzo, mais c'est pas sûr, tu vois. Bon, t'es fan de Lorenzo, prends le numéro. Bah, non, mais donne ton numéro, petit, je te contacte. Bon, vas-y, les filles, c'est pas grave, hein. Je vais pas perdre mon temps, moi. On voulait savoir comment on fait les bébés. J'ai bien fait de pas dire trop de conneries. Peut-on considérer qu'un pénis est dépressif oui. lorsqu'il est au fond du trou? Ça dépend lequel. On est d'accord? Oui, ça d'accord. La même remarque. Oui, absolument. La même réponse. Non, mais là, si vous ne restez pas dans les annales, vous... Bonsoir, mesdames. J'ai 600 000 abonnés quand même. Hein. Donc ça déconne pas quand même. Bon, effectivement, c'est une petite caméra cachée, la caméra, elle était là. Oh mon dieu, non mais vas-y. Le but, c'était de faire le youtubeur qui se la pète. Un peu. Mais attends, mais là, on va pas passer sur YouTube. Si. si. Bien sûr que vous allez passer sur YouTube. En vrai, ça va, c'est marrant, c'est plus moi qui est ridicule, tu vois.